Ayo, bonsoir. Je suis Manou de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Et, ouais, soutien total à Ferregora. La chanson que vous venez d'écouter s'appelle Mercure. Il est en prison depuis quelque temps, parce qu'il a été dénoncé par son enfant, sa propre fille, pour une histoire de bastonnade. Moi, papa, je frappe mon enfant et on m'envoie en prison. L'Europe, vous-même la même, hein? Est-ce que vous sentez même? Et j'ai même lu la lettre qu'il a produite étant en prison pour dire: ma chère fille, je n'ai que eu ma voix. Si tu es là où tu es là, c'est grâce à ma voix. Je n'ai pas eu la chance que tu as aujourd'hui parce que tes grands-parents étaient pauvres. Non, c'est méchant. Vous pouvez, quand vous accouchez un enfant, vous n'accouchez pas son cœur. Quand tu épouses un homme, une femme, tu n'épouses pas son cœur. Parce que du jour au lendemain, le mari, l'épouse, l'enfant peut être la source de tes malheurs. La prison, Ferregora, tu as tout nos soutiens. L'Afrique te soutient. Parce que tu n'es pas allé en prison pour un délit, je peux le dire. Mais nous sommes victimes de ce que nous pouvons appeler la culture occidentale. Parfois, on se demande est-ce que ça vaut la peine même d'envoyer nos enfants de l'autre côté. Parce que là-bas, on dit, on ne tape pas l'enfant. Moi, je porte des séquelles où mon papa me foutait avec la machette. Mais on dit, toi, tu ne tapes pas ton enfant. Ici, on nous frappe. On prend même piment, on met. Tous les ministres, tous ceux qui nous gouvernent là sont passés par là. Mais là-bas, on dit, on ne touche pas l'enfant. L'enfant peut appeler, mon papa frappe chez moi. Hein? On prend papa, on met en prison. À cause de quoi? On ne sait pas. Voilà, fais le goût en prison. Pour avoir peut-être giflé sa fille, que ce que tu fais n'est pas bien. Bam! L'enfant a porté plainte. Mais le Dieu de tes ancêtres ne t'abandonnera pas, Ferré. Je sais que tu seras beaucoup plus inspiré dans ce milieu carcéral. Nous prions chaque jour pour que rien n'entache la beauté de ta voix. Rien n'entache le charme, n'est-ce pas, de cette voix-là. C'est grâce à cette voix que tu nourris aujourd'hui tes enfants. Ami mien d'ici, d'ailleurs, on dirait le direct là n'est pas chaud. Comme je n'ai pas annoncé, c'est pas. Le direct là n'est pas chaud. S'il n'est pas chaud, demain, je ferai encore un autre direct. Mais c'est bien sûr, avant dimanche, on aura un autre direct. Ah, vraiment, c'est pas facile. Ainsi va la vie. Ainsi va vraiment la vie. Donc, si des moments, on pouvait lire le cœur d'un enfant avant de le mettre au monde, c'est qu'il y a certains enfants, dès qu'il sort du ventre, il fait « Nyang !» On écrase une fois sa tête, on dit « Va-t'en !» Parce que tu viendras nous verser la honte. Si on pouvait lire le cœur d'un homme ou d'une femme avant de l'épouser, non, c'est qu'il y a des hommes. Non, 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 non. Tu peux pas, hein, non. Mariage pour là, c'est pas possible. Parce qu'il y a des hommes qui sont devenus des propres sorciers de leur épouse. Tu sors avec une femme. Elle t'a fait des enfants. Séparation après, tu vas maintenant, tu dis, non, femme là, je vais jamais lui donner la paix. Tu vas, tu gâtes ton propre enfant. Des maladies bizarres. C'est quand la fin du mois arrive que l'enfant tombe malade. Tout simplement,
pour ne pas que cette femme-là soit en paix, tu fais du tort à qui? À toi-même? Les femmes aussi, pareil. Donc, vraiment, la vie de l'homme est ainsi faite. Ami mien d'ici, d'ailleurs, je vais vous parler des miels. Oui, okay. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Le vrai miel, là, hein, quand tu as le miel, tu fais ça, tu renverses. Tu regardes ici, hein, là, le fond. C'est à partir du fond que tu connais si le miel est bon. Tu peux également prendre le miel, le bon miel. Là. Tu prends un bûcher d'almet, tu claques. C'est ça. Quand ça prend feu, voilà, miel, des miels. Et c'est avec ce miel qu'on compose le miel que vous connaissez. Il y en a qui voudront même dire que de ça. Vous aussi arrêtez un jour. C'est avec ce miel-là. C'est très doux, le miel que tu vois là. En fait, c'est une soeur qui m'a apporté ce miel. C'est deux bouteilles. Parce que, voilà, son nom, son numéro est même dedans. Miel pur. Voilà le miel là. Voilà, son numéro de téléphone est dedans. J'ai promis de parler de ce miel. Parce que avec ce miel, j'ai composé le miel que vous connaissez. On dit en Angleterre là-bas même, le produit est fini. Papa, il faut envoyer l'homme qui sortait creux. Tout ça, c'est pour les hommes. Hey, Dieu, nous souffrons. Hein? Mais c'est normal. Il n'y a pas depuis les temps anciens. Nos parents connaissaient les mystères du miel. Nos mamans, là, elles savent ça. Tu as ton homme, là, tu n'as pas utilisé le miel sur lui, là. Non, il va aller ailleurs. Hein? Ah, voilà, j'ai le miel, là. Bon, la bouteille comme ça, c'est 5 000. 1 litre et demi. Regardez vous-même. 1 litre et demi, 5 000 francs. Tu es aux États-Unis, tu es n'importe où, tu envoies 5 000 francs. Mais malheureusement, par ces histoires-là, le miel ne voyage pas. Mais nous, nous pouvons faire voyager. Hein? Si vous avez besoin, vous commandez le miel. Le numéro de téléphone, c'est le 00237-697-49-2704. Miel pur. Et l'Afrique. Dieu, tu nous as tout donné. Hey, aux États. Vraiment. Bon, Dieu fait grâce. Ami bien d'ici, d'ailleurs, nous allons parler de quelque chose de très important, de vraiment de fondamental. Voilà, nous allons parler un peu de ballet. Hein, de ballet. Le ballet traditionnel que vous voyez. Vraiment, vous venez tout le temps en Europe. Vous qui êtes en Europe, vous venez tout le temps en Afrique. Je vous en prie, chaque fois que vous êtes en Afrique, ne quittez pas le berceau de l'humanité sans avoir votre ballet. Il faut que je donne les mystères cachés dans le ballet là. Comment on peut faire pour attirer l'argent avec le ballet? Comment on peut désenvoûter quelqu'un avec, à l'aide du ballet? Comment on peut fidéliser un homme avec le ballet? Comment on peut protéger une maison avec le ballet? Comment on peut découvrir un sorcier avec le ballet? Comment tu peux attraper un sorcier avec le ballet? C'est traditionnel. Ça vient de quoi? De comment on appelle? Palmier à huile. Voilà. Donc nous allons parler de ça, ami bien d'ici d'ailleurs. Tout simplement dans le but de déchirer le voile de l'ignorance, parce que nous constatons que l'ignorance est le mal le plus pernicieux de ce monde. Vaut mieux se pendre, se jeter dans un cours d'eau que d'être ignorant. Parce que l'ignorance, c'est le problème, c'est la souffrance. Alors, nous allons parler de ça. Mais avant, il faut que je parle un peu. Comment on peut fidéliser un homme avec le balai? Pitié, c'est dangereux. Hein? Fidéliser un homme. Le balai, là, on va faire ça comment? Comment vous avez quelqu'un qui a le pied cassé? Comment on peut prendre le balai pour graisser le pied? Tout est dans le ballet traditionnel. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça. Maintenant, j'attends mes cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Michel est connecté. Maman Michel est connecté. Sangonini. Yamanga. Naye ma boko pole. Motema nanga yina polele. Yamanga yina mariage. J'ai retenu ces très belles chansons de toi, Michel. Que le Dieu de tes ancêtres, que le Dieu de tes pères et de tes mères
Ah, je ne dis plus la suite. Bon, partagez le direct, je veux les cœurs. Mais le direct ne va pas faire une heure. Hein. Je ne suis pas là pour perdre le temps parce que j'ai au moins 18 scanners à libérer aujourd'hui. Là. Pardon, je vous en prie. Allons-y rapidement. Les cœurs et partageons le direct. Nous sommes à 180 commentaires. Hey, combien de partages? C'est même pas, hein, ça ne sort pas. Hein? Il faut partager le direct, je vous en prie. Partageons le direct. Peter Morgan, Linda Somda. Oh, je suis content. Je suis content. Parce que le 5 juin s'est passé sans cet incident. Ah, comment chaque 5 juin, une belle vient piquer quelqu'un? Et cette vient, chaque 5 juin, non. Non, non, cette année, on a pris des dispositions. On dit souvent, j'amène 200 quoi. Non, cette fois-ci, il y a eu deux, mais il n'y a pas eu quoi. Dieu est grand. Voilà, Dieu est grand. Vraiment, Dieu est grand, Dieu est grand. Ce que nous faisons, amis miens d'ici d'ailleurs, soutenez-moi. Vraiment, soutenez-moi. Je suis un homme sans vie. Je ne vis que pour vous. Voilà. Je m'assois souvent comme ça, là, de 22h à 8h du matin. Voilà. Parce qu'il y en a qui parlent. Papa Manou, là, hein, papa, sérieux. Mais le jour, là, dans mon bureau, il me voit, il dit, hé, ce monsieur-là, vraiment, c'est un robot. C'est un monstre. Donc, je me suis privé de beaucoup de choses pour être à votre service. Vraiment, beaucoup. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne connais pas la route de boîte de nuit. Je ne sais plus danser. J'étais l'un des meilleurs danseurs de ma génération. La cicatrice que tu vous portes, je porte là. C'est à la suite d'un concours de danse. Hein, où, yeah, de volé. Hey, ma conscience, ma conscience. Oh non, c'était doux avant. Ah là là, actuellement c'est tiki-tiki-gram, pam-pam. Les qui vont danser, tiki-tiki-gram, pam-pam. Je danse, je calme mon pied, on va dire quoi. Partageons le direct, je vous en prie. On va parler de ces choses-là. On va quitter ici. Non, je ne dis pas, hein. Direct là, c'est pas. J'ai commencé à coller la main. Voilà, comment se protéger à l'aide du balai traditionnel? Comment détecter un sorcier à l'aide du balai traditionnel? Comment désenvoûter une personne à l'aide du balai? Comment attirer l'argent, le jeton? Le jeton fait le retour dangereux à l'envoyeur à l'aide du balai traditionnel. Il y en a souvent, vous vous levez le matin, à l'entrée de votre maison, quelqu'un est venu déféquer. Vous trouvez le sang des poulets. Vous trouvez des fétiches bizarres. C'est fini. Il y a plusieurs techniques, mais je vais vous parler de la technique par le balai. Il y a la technique même par la pièce de 5 francs et tout et tout. Non, aujourd'hui, c'est le balai traditionnel qui sera à l'honneur. Ce qu'il ne faut jamais faire avec votre balai traditionnel, ami Médicier. D'ailleurs, voilà. Donc, c'est quelque chose de très, 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 très important. Vraiment, je veux 500 partages avant de commencer. S'il n'y a pas 500 partages, je n'ouvre pas ma bouche parce que je sais comment on peut prendre une brindille de balai pour maîtriser un homme, pour le rendre fidèle à vie. Une brindille de balai, ça, une. Comment on peut utiliser ça? Voilà, le balai que tu vois, voilà ça. Si on te donne de casser, tu ne peux pas. Voilà, voilà, balai là, l'Afrique. Toujours, on le pose comme ça à la maison. Le pied, hein, le bas là, doit être toujours au sol. Voilà. Pour ceux qui ont les maris de nuit, les incubes, les histoires, les succubes, balai traditionnel, surtout quand on a bien utilisé. Ce qu'il ne faut jamais faire avec le balai traditionnel. 500 partages. Je commence à diapouler. En attendant, on peut jouer une très belle musique. Non, aujourd'hui là, vraiment, s'il n'y a pas 500 partages, je n'ouvre pas ma bouche. Emilienne, tu as bien voyagé, tu es bien rentré. La Lionne, maman Emilienne. Oh, maman Emilienne. Voilà, voilà, voilà. Le balai magique. Au village, il est strictement interdit de balayer. Quand la nuit tombe, il est strictement interdit de balayer quand la nuit tombe. Strictement. Et au village, on ne siffle pas dans la nuit. Donc, tout ça, ce sont des choses ancestrales, voilà, qui sont en train, n'est-ce pas, de perdre leur valeur. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est connecté au monde moderne. Pour être bien, si mon enfant ne fréquente pas aux États-Unis, mon enfant ne va pas en France, ne fréquente pas, non, on ne peut pas dire, non, mon enfant vit en France. Et puis quoi? Il y a quoi en France? Il y a quoi là-bas?
Il y a quoi? Bon miel là, est-ce que vous trouvez ça là-bas? Les prunes que je. Jolies prunes là, est-ce qu'il y en a là-bas? Non, tu laisses là où il y a le paradis pour aller parler. Frère, frère, il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Oh, c'est pas nos chefs d'État aussi là, ils sont bizarres. Hein? Chaque jour, on vous dit développer. Après, les pays qui n'ont rien de sous-sol, il n'y a rien dedans. Ils mangent mal. Hein? Oh, vraiment, regardez. Voilà ce qu'on m'a envoyé là. Vous voyez? On appelle ça la petite cola. Eh Dieu, moi, monsieur Gatte, voilà les petits colas. Ça sort de l'Ouest Cameroun. C'est une femme qui vient, qui me dit, papa, maman, vraiment. Et comme mon oncle, j'amène dans la chefferie, les mêmes vides là. Papa Manou, voilà ce que vous avez gardé. Et c'est trop cher actuellement. Un comme ça, là, c'est 100 francs. Donc, elle m'a gardé quelque chose de. C'est très long. Puissance. Elle m'a gardé, tu vois. Eh Dieu, non. C'est dans ça, là, j'ai dit, Dieu, tu avais raison. J'ai signé ça sans lire, le contrat sans lire, tu avais raison. Partager le direct. S'il n'y a pas 500 partages, je n'ouvre pas ma bouche. Je n'ouvre pas ma bouche. Voilà. Très important. Voilà, 500 partages. Voilà. Quand il y a 500 partages, pardon, faites-moi signe. Je regarde moi-même dans mon truc là. Et nous sommes à combien? 312 commentaires. Combien de partages, non? Hein? Vu sur la toile. Jeune de beauté sur la tête, ça dépend. Shalom Nana. Comment tu vas, Miss Shalom Nana? La frère de Gaël. S'il n'y a pas 1500 patates, 500 patates. Non, Kanga, nos musiques. Non, patage, nos directs. Allons-y, pardon, allons-y, nous perdons pas le temps. Maman, parce qu'aujourd'hui, non, beaucoup de femmes souffrent. Comment tu peux prendre ça? Si ton enfant a le pied cassé, comment tu peux prendre le balai traditionnel pour régresser son pied? Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. Nous parlons de ça. Comment tu peux envoyer le jeton dans la maison par le balai traditionnel? Comment tu peux détecter un sorcier qui ancre sur 500 patates? Ça ne coûte rien. Ça, là, c'est moins d'un euro. C'est moins de 300 francs. Voilà, le voilà. Balai traditionnel. D'une puissance incroyable. Ça n'a l'air de rien. Voilà. Chaque fois que vous êtes à la maison, ami mien du ciel d'ailleurs, avant de faire, il y a des petites choses que nous faisons et qui nous bloquent, qui nous fatiguent. Par exemple, l'enfant se lève le matin, il a fini de se laver, ou bien même l'homme, il prend son caleçon et met sur la table à manger. Pendant que tu manges, il y a l'argent sur la table à manger. Le chapeau sur la table à manger. Donc, il y a des petites choses qui nous bloquent. Quand nous faisons ça là, ça crée des conditions néfastes, des conditions difficiles pour que notre vie soit heureuse. Après, tu vas te plaindre, non, il y a le sorcier là qui ne veut pas mon bien. Alors que c'est toi-même. Donc, ce sont des choses que nous devons corriger. Blandine Rosie. Pardon, dites-moi, nous sommes à combien de partages? Vu sur la toile. Ouais, la signification du grain de beauté sur la tête. Oh, va voir le direct, le grain de beauté, là, tout ça est là-dedans. Sur la tête ici, un peu partout, même là-bas. Tout ça, là, on avait là parlé. Tu nous ramènes en arrière. Tout ça est là, il y a des directs, tu vas sur YouTube, tu cliques. Charlie Choco, voilà. Alain Kouaté, je crois que vous ne voulez pas que je continue. Hein. Croissant direct. Atito Nyali. Mon frère Atito, il est en Mauritanie. C'est un dur. Voilà. La frère Gaël, combien de partages nous sommes? Sommes à combien de partages? Si c'est 500, je commence à Diafoul. Charlotte Providence. Mélanie Quick. Voilà, Espinette Daniel. Voilà, allons-y rapidement. Pardon. Je n'ai pas une heure de direct. Faut qu'on. Voilà, demain encore il y a direct. Samedi il y a direct. Je vais allumer trois jours. Demain, vendredi, samedi. Ah, samedi c'est la Tabaski, on dirait. Voilà, Mathieu Password.
Elle a partagé les directs, c'est tombé dans les mains d'un pasteur et qui dit que nous faisons le maraboutage. Elle s'est mise à rire. Elle dit, merde, quelqu'un qui dit de prendre l'ail. Vous voyez, c'est ça, voilà. Qui dit de prendre l'ail. De prendre l'ail, tu combines avec ceci. Et tu as ton résultat. Tu dis, où est le maraboutage qui est dedans? Il ne m'a même pas dit que c'est mon ail. Parce que tu peux prendre ton ail et mettre des choses dedans. Il te dit, va au marché. Prends tel nombre de feuilles de laurier. Surtout des gens qui sont dans des relations, l'homme ne se décide pas, il ne parle pas. Feuille de laurier est là pour ça. Oh. Petit charbon est là pour ça. Tu fais ça là, rapidement. Monsieur n'a pas 72 heures pour aller te douter. Tout est dans la divine nature. Maintenant, tu parles de ces choses, on te dit que non, tu fais, c'est le maraboutage. Mais maraboutage, il y a toujours Dieu dedans. La fête de Dieu est universelle. On ne peut pas comprendre Dieu. Le fou même peut te guérir. Un fou, quelqu'un qui n'a pas de tête, il peut même être ton prophète. Donc, il y en a, ils croient que leur affaire de Dieu, là, c'est universel. Pour eux, là, qu'ils croient vrai, si ce n'est pas eux, là, non. Il bénit les païens, il bénit les musulmans, il bénit. Dieu n'a pas créé de religion. Mais le pasteur a dit, c'est Marabouta. Comme si, vraiment, je ne sais pas, être pasteur, lui confère une connaissance parfaite de l'identité de Dieu. On trouve Dieu où? Si ce n'est pas dans sa divinité. Tu vas juger quelqu'un. Que non, comme il a dit, de prendre l'ail là, de prendre l'oignon là, ce n'est pas bon. Et Jésus est venu tout payer sur la croix. Et tout ça là, il a tout banni. Mais il a banni et puis ces choses existent toujours. Il est mort sur la croix. Tu connais même de quel croix on parle? Les gens prennent cette affaire-là, ils mélangent les gens. Et ceux qui tiennent la Bible, ils ont des délits. Les délits d'adultère, les délits d'infidélité, les délits de gros, les délits d'homosexualité, de sorcellerie. Chaque jour, c'est les églises. Vous voyez, moi, je n'aime pas attaquer quelqu'un. Tu ne connais pas, reste dans ton coin. L'Afrique, c'est nous, le perso de l'humanité. Le premier homme à qui Dieu a parlé, c'est un Africain. C'est ton frère noir. Il n'avait pas de mains comme sur la tête. Il était puissamment noir. C'est tout. La première langue, que ce soit japonais ou asiatique ou juif, c'est un noir qui a d'abord parlé. Donc je m'en tiens à ça. Que l'humanité a commencé avec moi. Et ça finira avec moi. Maintenant, on te dit, prends l'ail, fais ceci. Tu dis non. Prends ceci. Mais tout remède que tu vois là sort d'où? Des médicaments qu'on fabrique là, ça sort d'où? De la nature, de la terre. C'est l'ail qu'on a mis dedans, c'est les gingembre. Après, on met des. Comment on appelle des trucs ou c'est quoi, additifs, quoi là. Et dedans, et on met plus. Mais j'ai compris un mystère par rapport à ma maladie là. Je suis resté un jour, j'ai dit, mais Dieu, pourquoi toi-même tu me dis que je vais faire ton travail? Maintenant, je m'assois pour parler aux gens, maintenant, thrombose. On dit thrombose, nerveuse, profonde. Mais dans mon médicament, il y a quoi? Je fais un rêve. Dans lequel on me montre les feuilles. Je dis, merde. Au moment feuilles, là, on ne dit pas non. Je dis, Dieu, moi, cette nuit-là, je vais sortir pour aller chercher la solution à mon problème de pied-là. C'est là que j'arrive. Je trouve un enfant qui est en train de mâcher le persil. C'était dans l'au-delà. Ah! L'enfant sort le persil de sa bouche, il me donne. Comment c'est un enfant qui me donne le persil? Je regarde, je sens, je dis c'est le persil. J'ai compris le message. Pour tous ceux qui ont des problèmes de thrombose, on appelle les œdèmes, les madèmes, les madeleines, ils ont de ces noms-là. Mais buvez le persil. Depuis que je prends ça à mon pied, je ne prends même plus où c'est les barres de contorsion. Toujours ils ont des gros noms. Les barres de contorsion, les baropas de contorsion. Mais je ne comprends pas. C'est sûr que mon grand-père ne portait pas. C'est dans ça que je suis. Parce que chaque jour, il partait au champ, il marchait. Mais à cause de dire, je vais faire l'amour. Voilà. Oh my God. Hein? Oh. Mais depuis que je bois ça, là, le pied a calmé. Et ça me fait clopisser. Et c'est le meilleur médicament, le meilleur plan pour les problèmes de reins. Voilà, je suis en train de boire ça. Ça en train de nettoyer tout doucement. Tout doucement. Je prends au moins un demi-litre le matin à mon réveil. Partageons le direct. Si on a 500 partages, je commence. Même le commentaire, nous, on a 475. Donc, vous n'êtes pas prêt pour le dire. Non, on va causer un peu. Entre temps, je salue Marie, M. CD, Brigitte, Pierre qui regarde le direct. Florence,
Florence Caboret, que Dieu te bénisse, Florence. Voilà, spécialement, je vais t'inviter au Cameroun, Florence. Maman Florence, Likambonanga yo, Florence, oh, elle Florence est intègre, Florence est Nazali et Boko, Nanga yo na soki ya bolingo nanga, Oh, je suis gâté, c'est un homme béni. Et le miel. Le miel et le lait. Pardon, faisons vu, non. Et Dieu. Je ne veux pas le cœur, je veux partage. Maman Linda, on a combien de partages? Brigitte Delon. Maman Brigitte Delon. Ah! Bon, on dirait que vous voulez qu'on cause, hein. Papa, c'est toi qui es dans la vérité. Ce sont vraiment les ignorants. Oui! Non, oui, quelqu'un a BPC, pam, après un moment, il m'explique deux versets bibliques, il devient pasteur. Maintenant, quand tu es pas, non, Jésus a te payé sur la croix. On ne comprend rien dans ça. Ils ne savent pas que tout ce qu'on a écrit là, c'est fermé. C'est fermé. Je crois que samedi, nous allons parler d'un truc, hein, le pentacle. Hein, souvent, on appelle ça le pentagone du roi Salomon, le pentacle, tout ça. Il faut qu'on en parle. Parce que certaines personnes voient certaines choses. Non, c'est diabolique. Hein, non, c'est pas biblique. Hein, non, mais c'est quoi ça, là? C'est quoi? Oh, arrêtons ça un peu. Ça nous met en retard. Ça nous met en retard. Pardon, partageons le direct. 500, Maman Brigitte Matamba, Sangonini, Wache Foku, Eve Vacuès. Bon, vous ne voulez pas partager le direct. Bon, je vous comprends. Bonjour, Papa Manou. Je vous suis depuis la Norvège. Estelle. Voilà. Salut-moi tous les Norvégiens. C'est donc, ce sont des pays très bien. Les pays de paix, les pays norvégiens. Comment on appelle encore ça? Norvège, Suède. C'est les pays encore où il y a un peu. Les gens encore sont bien. Mais les France. France. Oh, oh, tu as mangé ton totem là-bas? Ah, Suède, voilà. Delphine, voilà. Partageons le direct. Ben, dites-moi si la 500 partage, comment parler. Hein? Colette Wafo. Ah. Il n'y a pas quelqu'un pour me dire qu'il y a assez. Bon, vous avez vos doigts là, on doit délivrer. Hein? Oh, 500 partage. On commence à diafoule. Comment on regarde même le nom partage? On est à 554 commentaires. C'est pas commentaire, je veux. Florence, est-ce que tu as partagé, Florence? Maman Linda, on a combien de partages? Je vous suis depuis la vie de Paul Gentil. Ouais, et ceux du Gabon, voilà. Très bonne nouvelle, parce qu'il y a quelqu'un qui quitte Gabon pour venir visiter le centre spirituel. La personne va faire, je crois, deux semaines. Hein, deux semaines. Donc, à son retour, je crois que la personne nous aidera à convoyer tous les kits et autres. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Dieu, on a combien de partages? Dites-moi. Ok. Non, vous là, vraiment. Marie-Brigitte Matamba. Papa de Brazzaville, oui, on a combien de partages? Vous êtes à Brazzaville. Le numéro de Togo pour les produits, tout ça sur Facebook. Hey Dieu, vraiment, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Oh, Non. Bon, amis bien d'ici, d'ailleurs, je vais donner quelques recettes pour ceux au moins qui ont partagé. La Côte d'Ivoire est calée. Ah. Allez, Kadidje. Donnez-nous, s'il vous plaît, le numéro de Togo pour les produits. Ok, ça viendra. Voilà. Oh, my God. Colette Wafo. Voilà. Bon, nous allons parler à Mimien Dissé, d'ailleurs, du ballet. Le ballet traditionnel. Ouais, c'est pas compliqué pour visiter le centre spirituel. Mais la condition, le centre spirituel, là, on fait pas là-bas, hein, on fait pas ça là-bas. Si tu es marié, voilà, je regarde l'acte de... je regarde l'acte de mariage, hein. Si c'est un acte fabriqué, là, je saurais. Je regarde l'acte de mariage. Là, j'autorise le couple à dormir. Ouais, parce que la plus grande pollution est sexuelle.
Bah, quand vous allez dans les hôtels, tout ça, vous finissez, vous rentrez. Quand tu finis, l'homme, il gagne sa petite main, il travaille là comme ça. Et moi, comme quelqu'un, alors qu'il vient de se décharger, il vient de se tuer. Hein? La chose la plus importante de tout, de l'univers, là, c'est dans votre sexe. Maintenant, vous allez vous donner ça partout. Non, chez moi, il n'y a pas ça. Hein? Quand tu viens là, il n'y a pas ça. Dans le centre, on ne fait pas ça. Voilà, on ne fait pas ça. Ce qui compte. Tu viens chercher Dieu. Même dormir là-bas, c'est réparateur. Ça enlève d'abord même les maladies sur toi. Parce que je brûle les encens tous les jours. Chaque une heure, je brûle les encens. Parce que sans ça, c'est pas bien. Vraiment. Et actuellement, là, c'est co-chargé. C'est occupé, c'est occupé. Il n'y a même plus de place. Il n'y a plus de place. Il y a les gens qui vont quitter Congo. Pas Congo, Côte d'Ivoire, Gabon. Portugal, il y a encore qui là. États-Unis, non. C'est États-Unis la partie. Voilà. Bon, on va parler un peu du baleine. Merci, Patricia. Ouais, c'est dans ça que nous avons la plus grande pollution. Il y a quoi? C'est là-bas où? Bon. On va parler un peu du ballet traditionnel. Vraiment, vous ne m'encouragez pas. Hein? Donc là, on ne peut pas avoir 500 partages. 500, 100, 200, 300. Eh Dieu, non. Quelqu'un m'a dit, papa Manu, vraiment, nous n'aimons pas partager ton direct. Parce que d'aucuns même ont découvert par les rêves, par... Je ne sais même pas, hein? Je ne sais même plus qu'est-ce que je peux dire. Hein? De toute façon, eux ont découvert là. Eux aussi vont découvrir ça comme ça. Eux aussi vont découvrir ça comme ça. Ils vont faire cette découverte là comme ça. Bon, on les a pas, on ne m'avait pas partagé pour te voir, pour te découvrir. Bon. Vous serez la bienvenue, ma grande. Visitez le Cameroun. Voilà. Bon. Je ne veux pas quand même vous punir. Voilà, amis miens d'ici d'ailleurs, le ballet traditionnel que vous voyez là a plusieurs utilités, a des pouvoirs incroyables. Voilà, j'ai bu beaucoup d'encens, ma grande. L'encens Kaza, j'ai bu ça. Il y a d'abord l'encens Yod que j'ai bu beaucoup. L'encens aussi qui chasse toutes les négativités que j'ai bu aussi. Je prends le soin aussi de nettoyer avec, comment on appelle, l'huile essentielle de bergamote, non, d'eucalyptus, autant pour moi. Voilà, 9 gouttes dans le seau. Je fais nettoyer tout et tout. Voilà, donc il n'y a pas de lave. Il n'y a pas de lave. Tout est propre, comme au premier jour. Propre. Les lits sont bien graissés, sous les lits, on passe tout. On passe tout. Si tu dors le lendemain, quand tu vides, on pulvérise. On purifie la maison. Voilà, on purifie la maison parce que c'est important. Voilà, nous allons parler de... comment on appelle, du ballet traditionnel, qui est un grand symbole, n'est-ce pas, de fertilité. Le ballet traditionnel qui nous aide dans la protection, le ballet traditionnel pour également attirer de l'argent. Le ballet traditionnel est un véritable, comment je peux appeler ça, un véritable talisman contre les cauchemars. Vous avez, voilà, vous avez constamment les cauchemars. Vous voulez passer des nuits agréables, prenez un ballet traditionnel, vous mettez sous votre lit pendant la nuit, ça va vous aider à avoir des nuits très très paisibles, dormir tranquillement et en paix. Au village, ce sont des choses très très connues. Voilà. Vous allez vous absenter pour quelque temps, voilà. Vous ne voulez pas que qu'il y ait des occupations, voilà. Voilà, vous prenez votre balai, les brindilles sont orientées vers la tête. Voilà, vous prenez le balai, la tête de votre lit, vous mettez les brindilles comme ça. Voilà. Donc, en cas d'absence, vous n'êtes pas là,
ça protège votre lit. Bon, je vais voyager, qu'est-ce que je fais? Je prends mon balai traditionnel, surtout le balai traditionnel est tellement puissant lorsqu'il a été bien utilisé. Par contre, on utilise tout ça là, les bouts là, hein, ça se coupe et ça devient tout petit comme ça. Voilà, quand on va utiliser, ça va devenir tout petit. Voilà, c'est en ce moment que c'est doux, que c'est vraiment puissant. Voilà, tu déposes ça. Tu ne peux pas entrer dans une chefferie, dans une royauté, hein, sans trouver le balai. Tu vois souvent même le roi, il tient sa main. Vous voyez, quand les gens viennent, ils posent ça comme ça. Vous voyez, ce sont des armes fatales. Avec ça, ils peuvent découvrir facilement les personnes, les visiteurs qui sont venus, et qui sont négatifs. Le balai détecte rapidement. Tu ne peux même pas supporter. Le roi est toujours là, il a le balai. Il a un petit truc là, comme le balai. Le balai est toujours dans la royauté. Ça, ça ne manque jamais. Ce n'est pas un fait de hasard, Mimien d'ici d'ailleurs. Voilà, ce n'est pas un fait de hasard. Voilà. L'homme, la femme aussi peut fidéliser son homme avec une brindille de balai. Monsieur bouge beaucoup, il sort, il angle toujours. Tu prends une brindille, surtout du balai déjà utilisé, tu enlèves, tu mets ça sur le sol de la porte et tu formules tes voeux. S'il a traversé, c'est fini. Même la tisane ne peut plus. Maintenant, comme j'ai parlé là, les hommes là, maintenant, les infidèles là, quand ils vont venir maintenant sur le sol de la porte, ils vont tout soulever pour voir clair de là. Eux, non. Garçons, même infidèles ne changent pas. Même si tu veux, donne-lui tout ce que tu veux, il ne va pas changer. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, vraiment, le direct, c'est super inspiré. Vraiment, vous ne me donnez pas l'inspiration. Voilà. Vous ne me donnez pas l'inspiration. Je crois que le sujet ne vous donne ça. Parce que à 500 partages, Balou Balas, longtemps, j'allais devoir avoir les 500 partages. Puis chérie, beaux offrettes, regarde le direct. Oh, merci, puis chérie. Bon, le balai a aussi des interdits. Il ne faut pas l'utiliser pour balayer. Tard dans la nuit, ce n'est pas bien. On ne balaye pas la maison tard dans la nuit. Je sais pas. Mais en Europe, les gens prennent leur balai. Ils s'en foutent, hein? Ils s'en foutent. Ils ne croient pas à ces choses-là. Voilà. Quand vous déménagez, évitez de prendre des vieux balais pour aller dans la nouvelle maison. Ce n'est pas conseillé. Voilà. Évitez d'enjamber, n'est-ce pas, un balai. Évitez de prendre le balai pour lancer ça sur votre enfant. Peut-être la colère. Une fois, mon fils a tué trouble. Tu croutes et tu prends le balai pour lancer tes enfants. C'est pas bon. Hein? C'est pas bien. Vous attirez les mauvaises vibrations sur l'enfant. C'est pas une bonne chose. Voilà. Donc, quand vous déménagez, tout ce qui est balai, là, laissez ça dans l'ancienne demeure. Vous allez, n'est-ce pas, dans la nouvelle demeure, chercher, vous acheter. Évitez également de donner votre balai au voisin. Il y a des voisins, par exemple, donne-moi le balai là, il veut balayer devant ma cour un peu là. Ne lui donne pas. Ce n'est pas bien. Aussi, l'heure, ne donnez jamais l'heure exacte à quelqu'un qui vous demande l'heure. Tu es dans le métro, dans l'avion, mon frère, il est quel est dans le taxi, non. Aujourd'hui, l'heure là, ça ne doit même plus se poser. La montre, c'est même plus un problème parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un portable. Donc, tu peux regarder ton heure. Évitez de donner l'heure. Ça me rappelle un peu l'histoire d'un frère qui est, je crois qu'il est où? Au Brésil, hein. Avec son épouse, c'est un Camerounais, c'est un Togolais. Il est. Alors, il se trouve que je lui ai conseillé un bain. Il a fait le bain et sa femme aussi a fait le bain. Et ça a remué. Hein, ça a remué. Je peux dire la confrérie des petits sorciers là. Et dans ça même, il se trouve que sa maman est même. La principale, parce que ces œufs là-bas, si j'ai mangé ton enfant, tu dois manger le mien. Il faut maintenant manger, il faut livrer ton enfant, voilà. Et juste à minuit, la maman a appelé. À minuit pile, ta maman t'appelle. Pas une fois, pas deux fois. Donc il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai donné quelques astuces. Voilà. Et tout va rentrer en ordre, c'est tout. Faut barricader la maison. Voilà, c'est important. C'est très important. Voilà. Donc, vraiment,
Même pas 500 dirhams, 500 patates. Hey, Dieu. Ah, vraiment, si j'avais su. Si j'avais su. Hey, Dieu. Vraiment. Oh. Ouais. Vous savez qu'on utilise le balai pour purifier les gens. Même votre maison, vous pouvez purifier. Voilà. Vous pouvez purifier la maison, purifier quelqu'un qui est possédé à l'aide du balai. Il suffit de prendre de l'eau, de recueillir directement. Si vous avez de l'eau lunaire, j'invite tous ceux qui sont au Cameroun. Le 14 juin, je crois, c'est la fête française. La pleine lune, c'est le 13. Nous allons magnétiser, maman Yvette Curtis, nous allons magnétiser l'eau, le 13. Le 14, ça sera déjà, c'est une eau. Et si je pouvais être pasteur, je ferais des miracles avec cette eau-là. Oh, oh, ceux qui ont l'eau de ce mois-là. Ah, j'ai mis ça sur la toiture d'un immeuble à 10 étages. 10 étages, donc on est plus loin du ciel. On est proche du ciel. Donc la lune a frappé ça moi-même. Oui. À partir de minuit, je m'en vais, j'enlève, je dépose. Donc le 13, là, je vais dormir sur la toiture d'un immeuble, 10 étages, c'est là où je vais dormir. Beaucoup vont croire que c'est un sorcier qui est calé. Avion, comme on dit, avion de nuit. Non, c'est pas, j'attends de magnétiser mon eau. Donc dès que je descends le 13, le 14, le cabinet ouvert, venez prendre, c'est gratuit. Mais en Europe, ça se vend. Il faut que je sois clair. Parce que pour que ça quitte ici pour arriver aux États-Unis, on paye. Pour que ça arrive en France, on paye. Pour que ça arrive au Canada, on paye pour ça. Voilà. Je rappelle aux uns et aux autres que l'encens Yode, la poudre Terminator, l'encens qui chasse toute négativité, il y a encore quoi là? La poudre jaune sont nos produits qui sont déjà disponibles au Canada. Voilà, j'ai envoyé, je crois qu'il n'y a plus beaucoup. J'ai communiqué le contact. Il y en a déjà aussi en Angleterre. Il y en a aux États-Unis. Il y en a en France. En Suisse aussi. En Suisse. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé après le direct, vous pouvez me contacter au 00237-697-49-2704. J'ai 3 directs aujourd'hui, demain et dimanche, parce que lundi et samedi est férié, il semblerait. C'est la Tabaski. Il faut respecter, c'est une fête musulmane. Il faut respecter nos frères musulmans. Voilà, peut-être que je pourrais me racheter. Comme vous n'avez pas pu me donner 500 partages. Voilà, je vais vous laisser sur ce. Demain, nous allons parler d'un sujet très très important. Comment on a-t-il l'argent? Il faut que je parle quand même. Hein? Vous voyez, ami Mendicé d'ailleurs, il y a des jours dans la semaine où vous devez, n'est-ce pas, utiliser le balai traditionnel. Eh Dieu! Même pendant le direct, oh là là, oh là là, oh là là. Vraiment, ce n'est qu'une partie remise. Je m'en excuse. J'ai des obligations. Je dois me rendre au centre le plus rapidement possible. Voilà, je suis appelé à d'autres fonctions. Je vais vous laisser sur... Je ne vous abandonnerai jamais. Demain, nous allons faire un bon direct. Très bon direct. Un direct de Talakou. Je vais parler d'un mystère. Suzanne Yanga. Voilà, que Dieu vous bénisse. Joséphine Batalé. Ingrid. Voilà, et en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est... Voilà, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Voilà. C'était Manu de la vie. Demain, à la même heure, nous serons en direct et dimanche aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Amen.